Hey, salut à tous, c'est Lady et Yoda, on se retrouve pour une petite vidéo sur du GTA V. Donc on est en mode online et apparemment depuis peu nous pouvons télécharger de nouvelles missions depuis le PC, depuis internet. Donc il vous suffit simplement de vous rendre sur un site dont le lien sera en description de cette vidéo. Et on vous a mis un petit screen du site pour savoir précisément comment ça se passe. Il vous suffit simplement de cliquer Add to Game et la mission sera disponible. Donc bien évidemment, il faudra redémarrer votre jeu pour que la mission soit prise en compte. Donc Yoda, qui est avec moi, je vais te laisser expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'une mission en fait dans laquelle on peut utiliser les véhicules que l'on n'a pas dans le jeu. Donc vous allez voir tout de suite. Donc Eddie, je te laisse faire un petit plan sur la map pour voir où on est sur la map. Alors, petit coup de start, donc on est au niveau du désert. Voilà, et donc les missions téléchargées par internet sont donc en jaune sur la map. Donc là vous pouvez voir le crâne jaune. Donc il y en a à peu près une dizaine, moi j'en ai pris juste une seule, donc pour l'instant vous n'en verrez qu'une. Lady, je te laisse lancer la mission, les bergers, pour montrer un petit peu les menus. Donc c'est un affrontement en fait qui s'appelle donc Unobtainable Vehicles. Donc comme son nom l'indique, on peut pas obtenir les véhicules. Alors c'est parti, donc je suis dans la mission, je vais faire héberger. Donc ça marche a priori pour inviter vos amis qui n'auraient pas la mission. Ils peuvent vous rejoindre, ça y a pas de problème. Voilà, en fait faut juste que l'autre de la partie ait la mission en fait. Au niveau donc, des paramètres, il y a quelque chose à modifier? Dans les paramètres surtout, faut bien vérifier qu'au niveau du temps de jeu, donc je vous conseille de mettre 60 minutes pour vraiment en profiter à fond. Et après évidemment essayer de mettre le beau temps et de jouer la journée hein, pour que ça soit un peu plus sympa, qu'on voit un peu plus les véhicules. On va mettre sans trafic. C'est parti. Donc si vous êtes en session publique, bien évidemment, essayez de ne pas inviter toute votre session. Si vous voulez vous tuer, vous êtes libre de le faire, mais vous allez voir avec les véhicules qu'il y a, vous allez sûrement vouloir essayer un petit peu tout, je pense. Il y a vraiment des véhicules très sympas. Donc on va vous faire un petit tour de tous les véhicules. Lady, on va commencer par le hangar, vite fait, avant d'aller vers les... Alors ouais, le hangar. Donc déjà, vous pouvez avoir un petit aperçu de loin. De loin, il y a vraiment des gros trucs présents sur la piste. Donc là, vous avez en fait... Bah je te laisse rentrer dans les véhicules et donner le nom des véhicules à chaque fois peut-être. Bah là c'est le lifeguard en fait, c'est le camion des... Ouais, ça va être un 4x4 de sauvegarde. Des gardes-côtes en fait. Il y a celui d'à côté qui est hyper fun, j'adore son klaxon. Voilà. Voilà, c'est Vapid Van de Clown, donc un truc de clown. Hein. Bon là c'est un peu plus... un corbillard. Corbillard, ouais. Le chariot Corbillard Romero. Donc ça c'est pour les petits véhicules garés avant, au niveau du hangar. Et voilà. Là, il y a un hélico un peu particulier. Bah ouais, donc il y a l'hélico en fait. C'est l'hélico, je crois qu'on l'utilise dans le solo. Et il permet de soulever des containers. Alors, c'est le Skylift. Alors, moi, je suis vraiment une quiche. Oh là là. Par contre, je vais pas aller très loin parce que je suis une quiche en hélico. Par contre, il a vraiment une allure spéciale, cet hélico. En fait, il permet de transporter des gros containers, tu sais, qui sont présents sur les paquebots, tout ça. Oh, j'ai failli me faire écraser par la roue. Je t'ai dit que j'étais pas doué. Donc voilà, là on a un petit camion, donc je ne sais pas ce que là, c'est. Là en fait, c'est les... Ah oui, si, c'est les camionnettes. Voilà. Mais tu vois, quand t'es en fait en solo, tu peux acheter différents commerces. Il y a un commerce qui vend du cannabis, et ben voilà, c'est le camion. Smoke on the water. Ok. Donc tu peux avoir que quand tu es en Franklin, je crois, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Là, il y a un camion. Alors là, il y a un petit quad aussi. Le Nagasaki Blazer. Assez sympa. Donc, t'as repéré un camion, tu m'as dit? Ouais, après, c'est un camion, en fait, de police d'État. Okay. Et je pense que c'est la voiture qui va avec ici, c'est le même logo. Mais c'est pas... Ah, d'accord, elles sont enneigées, j'avais pas vu. La voiture est enneigée. C'est les voitures, donc c'est du début de la map, l'île qui est enneigée là. Ah ok, oui, d'accord, tout à fait. Là, donc il y a bien évidemment la Space Docker. La Space Docker, ouais, d'ailleurs, bah voilà, pour ceux en fait qui n'ont pas pu l'essayer, voilà, elle est présente dans cette mission, la Space Docker, donc vous allez pouvoir l'essayer comme vous voulez. Alors bien évidemment, il n'y a aucun moyen de récupérer des véhicules et de les sauvegarder. C'est une mission, donc vous ne pouvez pas repartir avec, malheureusement. Voilà. Là, il y a une grosse foreuse, hein. Alors, une foreuse. Ah oui, en effet, ouais.
Oh. Peut-être les trois, je Ah crois. ben, y a un moyen de lever le truc, mais je ne me rappelle plus comment on fait. Non, je crois que c'est... Il n'y a pas moyen. Voilà. Là, vous avez les... Là, c'est des véhicules du FBI, il me semble. Et on monte Deux voitures, dedans. j'étais en train de me demander, oui. Voiture banalisée, ouais, c'est ça, véhicule du FBI. Ouais. Donc, bien évidemment, la hot knife. Bah là, en fait, c'est les trois véhicules pour ceux qui ont acheté l'édition collector. Donc, vous avez la Hot Knife, C'est quoi ça? la Caméléon, et ça, c'est la, doit être la Carbon RS. Eh oui, c'est ça. Donc, ça, par contre, on rappelle que voilà, on a fait trois vidéos différentes pour chacune de ces véhicules et que vous pouvez les obtenir en multi. Hein, même pour ceux qui n'ont pas le pack collector, vous pouvez les obtenir. Je vous invite, si vous le voulez, à regarder les vidéos présentes sur notre chaîne. La petite hot knife. Les bugs marchent toujours, bien évidemment. Ce n'est pas patché. Ils ont patché beaucoup de bugs, mais ils n'ont pas patché cela. Et donc, il reste deux beaux véhicules. Donc, le dirigeable, que je pense certains d'entre vous doivent avoir si vous avez précommandé le jeu, donc il y avait un petit code qui vous permettait de l'avoir. On peut pas le crever, hein. Non. Et donc il y a cette espèce d'avion énorme, je ne sais Bah, pas c'est ce que c'est. simplement le plus gros avion du jeu. Et alors comment on monte? Parce que j'ai essayé tout à l'heure sur le côté. Alors, je vais te laisser faire, mais en fait, il faut que tu passes en dessous, ici, là. Tu viens vers où je suis. Le personnage bug, Et là, donc. il va bugger et il va s'allonger et tu fais triangle au fur et à mesure. Ok. Donc voilà, on a fait le tour de tous les véhicules. On va finir avec le petit démarrage de ce superbe gros avion. Et je ne garantis pas que nous allions très loin parce que je suis vraiment, vraiment pas douée. C'est parti. Donc il y a plus d'une dizaine de missions, c'est ça? Il y a une dizaine de missions, mais je pense qu'on va vous faire une autre vidéo pour vous montrer exactement un petit peu comment les obtenir. De toute façon, il faut simplement aller sur le site de Rockstar, ajouter les missions directement depuis le site. Mais ouais, cette mission est vraiment sympa. Comme vous pouvez voir, vous pouvez vraiment essayer tous les véhicules. Il se passe comment ton décollage? Là, pour l'instant, j'ai essayé de faire un Oula! looping, mais... Eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc on vous dit à très bientôt, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez bien vous amuser dans cette mission et que vous serez meilleur que moi dans tout ce qui est avion et machin qui vole. À très bientôt tout le monde, gros bisous! À bientôt, gros bisous à tous.